Et bien bonjour à tous les amis, je suis Pupup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Death Stranding. Aujourd'hui, on doit nous se rendre au relais qui est ici, près de la cabine, dans la cabane, pardon, près du relais des montagnes. C'est pas une nouvelle zone, donc il y a encore cette partie-là, je suppose, à déverrouiller à un moment. Mais on avance bien quand même. Je sais pas trop comment je vais y aller. Je pense que je vais y aller à pied, tant pis. Hein. Ça semble être quand même la meilleure solution. Je suis en train juste de réfléchir par où je passe. Je vais regarder par contre si je peux pas éventuellement fabriquer des choses parce que là j'ai plus rien niveau échelle, tout ça. CCP2, j'en ai plus. Je vais reprendre deux échelles aussi. Ah ouais, ça fait une sacrée tempête quand même. On va l'éviter, on va passer par là. C'est pour ça que j'ai pris un CCP2. Il y a une par là, alors il faut que j'arrive. Il faut que j'arrive à trouver un endroit où on peut connecter les deux. Yes, là. Où est-ce qu'il nous emmène celle-là? Yeah, juste à côté, il y en a une. A priori, on peut peut-être l'atteindre. Construction terminée.
Wow. Ok. D'accord, je pense qu'on passe à la suite du coup. Alors, les bébés, un pont entre eux. Je sais pas ce que c'est la suite. On continue. Bon, a priori, je pense qu'on devrait peut-être changer d'épisode. Bah, il va être bien, par contre, ce réseau de tyroliennes au final. Allez, on continue. C'est parti pour l'épisode 7 Clifford. Ok, nous aussi on rentre dans la guerre.
Sam! Deadman. Ah, vous n'êtes pas facile à joindre. Où est-ce que vous êtes? Aucune idée. Je vois des chars et des soldats. Ces uniformes datent d'il y a plus de 100 ans. Je dirais que ce sont ceux de la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez vu le type qui commande les soldats? Non. Je crois que c'est celui dont vous nous avez parlé. Ce connard de soldat décérébré qui cherchait à buter bébé? C'est notre ticket de retour, pas vrai? Aucune idée. C'est la deuxième fois pour moi. Et sans bébé, on aura du mal à le trouver. Heureusement, votre bébé est ici et en parfaite santé. Il vous attend. Où est-ce qu'on se retrouve? Y a pas quelque chose qui sort de l'ordinaire dans le coin? Je suis dans les égouts. Attendez. J'arrive à voir une tour par le trou. Une tour carrée. Elle est juste au-dessus de moi. Impec. Je trouverai ça et je chercherai une entrée vers les égouts. Vous pouvez pas juste attendre? Avec plaisir. Je ne bouge pas d'un pouce. Oui, mais si je suis un peu lent, ce sera à vous de jouer. Quoi? Cet enfoiré de guerrier. Il en avait pas après moi, en fait. Mais après bébé. Ah, c'est pas vrai. Ouais. S'il cherche quelqu'un, ça peut être que vous. Oh non. Allez, grouillez-vous, Sam! Tenez bon, j'arrive. Et ne connectez pas le bébé non plus. Vous le mèneriez directement à vous. Oh, c'est pas vrai. Mais vous le ferez pas, puisque vous les détestez. Je l'ai fait parce que j'ai eu la trouille de ma vie. Déconnectez-vous, vite. C'est déjà fait. Ne le laissez pas prendre, bébé. Mais comment? S'il se pointe avec ses soldats, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je riposte? Si jamais je dois faire un choix entre le bébé et moi... Ça n'arrivera pas. Je mets fin à l'appel. Sam... J'ai pas vraiment la vie facile, vous savez. Pas de femme, pas d'enfant, pas d'amis... C'est pourquoi j'ai cherché du réconfort et un peu de compagnie auprès des morts. Des morts qui constituent près de 70% de mon corps. Ils font partie intégrante de ma personne. Mais depuis que je vous connais, j'ai ouvert les yeux, Sam. Vous êtes très spécial, vous savez. Ok, alors... à récupérer des marchandises que je vais là réajuster. Ok. Thank you.
Par les retouches, pardon. Je sais pas trop où est-ce qu'il faut que j'aille pour le moment. Ah, je suis au pied de la tour carrée, d'accord. Par là. T'as fait du gros boulot. On se voit bientôt. Projecteur. Ah, il y a un mode projecteur quelque part, ok. Alors... D'accord, ok, c'est comme ça. J'ai raté un passage à un moment. Ah, il y en a un qui est ouvert, ok. Fonctionner à nouveau. Faites-moi voir. Parfait. Qu'est-ce que c'était ? C'est peut-être une greffe particulière pour tous les soldats qui sont morts au combat. Je crois surtout qu'on devrait se tirer d'ici. Oui, c'est sûr. Je suis étonné. Je m'attendais à ce que vous abandonniez bébé. Moi, jeter du matériel précieux, ça va pas.
Alors, vous partagez toujours vos souvenirs? Ah, oh, je vois. Restez là. Faut que j'aille m'occuper d'autres souvenirs, on dirait. Je vais lui faire sa fête. Ça devrait nous sortir d'ici. Vous savez, Sam, je crois que je commence à comprendre pourquoi ce bébé est si important pour vous. Hein? Ce n'est jamais qu'un outil. La vie et la mort ne devraient pas entrer en compte. Mais on a quand même fini par s'attacher l'un à l'autre. Pas vrai, hein? Ce bébé n'est pas qu'un outil. Son nom est Lou. Lou, hein? C'est un très joli nom. Bon. Allez, c'est à nous d'entrer en action maintenant. Sauf que comme pour l'instant j'ai pas vraiment d'armes à part des grenades. Bon, la grenade est matique éventuellement. Passer sur le dos, ok. Alors, par contre, j'aimerais bien avoir d'autres armes. Ouais, ah, y a un fusil d'assaut ici, ok. Ça va être mieux. Ouvrez le feu. Ah.
Ah, ok, il a bougé. Il faut que j'aille récupérer un autre fusil. On a besoin de renforts. Partez en chasse. Rendez-moi mon bébé. Là-bas. Où es-tu, bébé? Qu'est-ce qu'il m'a balancé là? Ok, voilà pour lui. Allez, ça fait deux. Ah, c'est vrai que je consomme du sang, j'ai complètement zappé ça. Ouvrez le feu. Butez-les.
ici, par ici. Ouvrez le feu. Une phase il va y avoir par contre. On va repartir pour une nouvelle phase. J'ai plus de frappe. Ouf, c'était juste. Parce que j'avais plus de balles. Ok, on l'a battu. L'homme mystérieux. First try. Thank you.
Ok. Bon, on a réussi à... à passer ça. On a donc les résumés du rapport de l'année anti-action de Manhattan numéro 1, 2 et 3 et on a obtenu le trophée bébé. On est passé transporteur expert. Ok, bon, c'était intéressant ce... cette partie là. C'était bien fait, je trouve. Même si, heureusement qu'il est mort à ce moment-là, parce que j'avais plus de munitions a priori, donc il aurait fallu que je m'enfuis pour trouver une autre arme s'il n'était pas mort à ce moment-là. Allez, on continue. Lou. Alors Sam, comment va Lou? Aucune réaction. Vous avez vu ça? J'ai comme l'impression que Lou m'apprécie. Vous aviez perdu connaissance, alors je vous ai fait amener là. Vous aviez raison. Quoi que vous ayez fait là-bas, ça nous a ramené dans notre monde. Votre marchandise et vos affaires sont dans votre stockage privé. Vous avez dormi comme une marmotte, une journée entière. Moi, je suis retourné à la capitale relais. Il faut admettre que la grève de Fragile s'avère bien utile. Ouais. Écoutez, je vous présente mes excuses. Lou était le nom que vous vouliez donner à votre propre bébé s'il avait survécu. Il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre. Je vois vraiment pas de quoi vous parler. J'ai trouvé des archives datant d'une dizaine d'années. Un décès, brusque, en pleine rue, en ville. Une jeune femme qui était dans la fleur de l'âge. Personne ne l'a su avant la néantisation, le désastre. Elle était mariée à un type qui bossait chez Bridges, qui avait le Dooms. Il a bien essayé, mais il n'a pas réussi à arriver à temps. La ville entière a été rayée de la carte. Il n'en restait plus qu'un grand cratère et le mari. Évidemment, c'était un rapatrié. Les gens exigeaient des réponses. Avait-il caché le corps de sa femme intentionnellement? L'unique survivant était l'unique suspect. La solution de facilité, c'était de l'accuser. Et très peu de temps après, les gens s'en sont pris à Bridges. Le mari s'en est tellement voulu qu'il est parti. Et sa femme, la défunte, elle s'appelait Lucy. Elle était enceinte, la malheureuse. Ils avaient prévu d'appeler leur fils Lou. C'est pas arrivé. Pourtant, si. La présidente Strand me l'a dit. Elle passait tout son temps à parler de vous. Elle disait que rien ne vous avait obligé à couper les ponts et à fuir. Putain, vous allez la fermer. Ne vous énervez pas, Sam. Asseyez-vous. Je vous ai parlé de la composition de mon corps, à 70% fait de prélèvements sur des cadavres. Est-ce que vous voulez en connaître la vraie raison? L'histoire que vous avez entendue, je l'ai totalement inventée. Je vais vous le dire. Je suis le monstre de Frankenstein. Artificiel. Fait à partir de cellules souches pluripotentes. Et comme l'étincelle vitale ne s'est pas manifestée dans tous mes organes, les défectueux ont été remplacés par ceux de cadavres. Je ne suis pas venu au monde. Je ne suis qu'un pantin de chair sans âme. Et sans cas, un mort vivant.
Tous les gens qui sont nés de façon classique ont une grève. Vous en avez une. Bébé en a une. Mais moi, je n'ai pas ce genre de lien. Je n'ai pas de mère. Pas de vie après la mort. Pas de grève. Alors vous comprenez pourquoi tout ça m'obsède à ce point-là. Pourquoi j'ai rejoint Bridges. Ce champ de bataille-là, ça, c'était une grève vraiment atroce. Mais curieusement, ça ne m'a pas déplu. Je savais que vous viendriez me chercher. Je n'avais jamais éprouvé ça avant. Un lien avec quelqu'un, qui que ce soit. Rien ne vous obligeait à couper les ponts et à fuir, vous en êtes conscient. La présidente Strand avait tout à fait raison. Sauf qu'en réalité, j'avais rien à fuir. J'ai jamais vraiment eu ma place là-bas. Vous en êtes sûr? Même moi, j'ai ma place. Alors ça, vous l'aviez dans la main. Une plaque d'identification de l'armée américaine. On a eu un peu de mal à vous l'enlever. Clifford Unger, comme vous le voyez. Je l'ai cherché dans notre base de données. Cette correspondance. C'était un soldat des forces spéciales américaines. Envoyé au Kosovo, en Irak, en Afghanistan. Ouais, c'est lui. Je sais, mais je n'ai rien trouvé de plus pour le moment. Vous devez être couvert de matière qui râle après le champ de bataille. Il est temps de prendre une douche, non? Oh non, je ne viendrai pas avec vous cette fois. Le problème avec Die Hard Man est définitivement réglé. J'ai fait en sorte que nos conversations ne soient jamais enregistrées. Bon, eh ben on a bien avancé là, c'était cool. Ouais, une douche, je sais. Sam, vous me recevez? Ah, vous vous en doutez certainement, le temps s'est arrêté ici quand vous étiez sur le champ de bataille. Donc, à moins que je ne sois à côté de la plaque, la dimension où vous vous trouviez est en quelque sorte une grève. Attendez, je vous explique. Ce qu'on appelle nos ha, nos corps, se trouvent tous dans le même monde. Alors qu'au contraire, nos âmes, nos ka, ont chacune leur propre grève. Ces grèves prennent des formes très diverses dans notre esprit en fonction de nos croyances personnelles. Philosophie, religion et ce qui nous définit. Par conséquent, les grèves peuvent prendre toutes les formes. Et ces formes disparates, ensemble, composent un multivers. Cependant, quand beaucoup de gens meurent en même temps, il peut arriver que leurs grèves se mélangent et créent un entrelacement. Ce phénomène est exacerbé en temps de guerre, avec l'atmosphère omniprésente d'amertume et de désespoir. Les grèves se mélangent alors plus facilement et plus fréquemment. Dans ces conditions, les sorties s'effacent et les expériences se répètent en boucle, sans fin. Disons que c'est un peu comme un tourne-disque. Quand le disque est rayé, le même passage se répète encore et encore. Il livre inlassablement une bataille qui ne finira jamais. Elle se poursuit, comme ça, à l'infini. Le champ de bataille où vous étiez se trouve pendant la Seconde Guerre mondiale, en Europe de l'Est. Ce qui est très bizarre, puisque l'homme que vous y avez rencontré, Clifford Unger, n'a aucunement participé à ce conflit. Je ne peux pas l'expliquer. En revanche, si vous parvenez à me connecter au réseau Kiral, qui sait ce qu'on pourrait découvrir? Toujours là, Sam? Si oui, j'ai une requête. Quand vous serez prêt, allez voir le terminal de livraison à l'étage. Ok. Bien, bah écoutez, je pense que nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je vais juste archiver mes mails comme d'habitude. Nombre de récupération. C'est un garçon, on va tant mieux.
Eh bien écoutez, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode sur Death Stranding vous aura plu. On va continuer l'aventure demain. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et je vous dis à la prochaine.